Nous sommes les tout premiers élèves de l'école de la commune de Ramongo, la première école de la commune de Ramongo. On a commencé par s'asseoir sur le hangar, écrivant sur le sol, avant d'intégrer un bâtiment qui a été construit en 61. Et qu'on a réhabilité en 2012. Voilà. Les enfants, bon, bien que n'étant pas à ce moment-là ouverts à l'éducation, les enfants étaient travailleurs. Ils ont travaillé et beaucoup d'entre eux ont occupé ou occupent encore des postes de responsabilité dans la vie nationale. Je suis en train de m'exprimer pour exprimer ma joie de voir ce CG ici à Ramongiri, en nous disant tout simplement que nous sommes des anciens élèves de l'école primaire publique de Ramongo. Je suis directrice provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et du non formel de la province du Bulkemde. Voilà. Okay. Alors aujourd'hui, c'est quoi la première problématique pour les enfants dans le domaine éducatif aujourd'hui? La problématique, bon, avant c'était l'accès, mais l'État a mis des efforts depuis le plan décennal de développement de l'éducation de base. Et actuellement, on est à 83,40% de taux brut de scolarisation. Vraiment, on est en nette avance. Le grand défi actuellement, c'est la qualité de l'éducation. Comme au début des années 2000, on était à 40 et quelques pourcents de taux brut de scolarisation. Ça ne dépassait pas ça. Et quand vous regardez les statistiques des élèves garçons et filles, la parité est presque atteinte. Ouais. Donc il y a au Bulkemde ici, l'effectif des filles avoisine celui des garçons. On est presque à la parité. Voilà. Donc ça veut dire que le problème de la scolarisation des filles dans la province ne pose aucun problème. Tous les parents ont compris, ils mettent tous les enfants à l'école. Dans nos statistiques, la parité est presque atteinte. Filles comme garçons, c'est presque le même nombre. Alors, qu'est-ce que ça va changer que les filles aillent à l'école? Ça va changer, ça va très bien changer parce qu'on dit qu'éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Quand les filles sont instruites, elles prennent en charge leur famille. En matière de santé et d'hygiène, en matière d'éducation, elles peuvent encadrer leurs enfants à la maison, soutenir leur mari, contribuer au développement de la société. Quand la fille est instruite, elle apporte beaucoup au développement. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation pour la scolarisation des filles. Et il y a une direction générale de l'éducation des filles qui a été créée pour accompagner spécifiquement l'éducation des filles. Donc ça tient à cœur l'État. Et nous qui sommes les acteurs de l'État au niveau de concentré, nous mettons les efforts pour accompagner cette politique de la scolarisation des filles. Et j'avoue qu'avec les statistiques, on a réussi. Et malgré ça, oui, on a quand même besoin des associations? Bien sûr qu'on a besoin des associations. Le problème de la scolarisation des filles, c'est le maintien à l'école. Le maintien, là, ça est un problème. Il y a des grossesses non désirées, des grossesses précoces, des mariages précoces. Il y a tous ces facteurs, socioculturels, qui affectent la scolarisation des filles. Et nous avons ce problème au Bulkemde. Ce projet de construction d'école, je suis, on m'a donné une étiquette d'adjoint au chef de projet. Donc voilà, il y a bien le chef de projet qui monte le projet, qui cherche les financements, etc. C'est pour pouvoir aider la population, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Donc là, on était sur la construction d'un collège. On a pour l'instant toujours construit des écoles primaires. Et on arrive au CM2 et on fait quoi? Des petits-enfants qui finissent le CM2. Donc effectivement, le collège, c'est la continuité. C'est de pouvoir travailler aussi en partenariat avec les collectivités locales ici et faire en sorte qu'un maximum de filles soient admises au collège et restent le plus longtemps possible dans le cursus du collège, voire du lycée plus tard. Ok, self-service, c'est le bilan du premier trimestre, le travail des élèves. Ici, nous avons 151 filles et 186 garçons. Et les filles représentent 44,80% des élèves.
les 44,80% représentent 3 fois le taux national de scolarisation des filles au Burkina Faso. Et si nous avons beaucoup de filles dans cet établissement, c'est parce que l'établissement est déjà construit. Puisque si vous remarquez au niveau provincial même, le cégep de Wenyam est le seul continuum à être construit. Ce qui attire les gens, parce que ici nous avons déjà les équipements et les locaux. Ce qui suppose également que si nous revenons à des périodes, nous pouvons décourager les parents et les élèves et le taux de scolarisation pourrait diminuer. Le taux de scolarisation élevé des filles est un facteur de développement pour notre pays parce qu'une fois que les filles accèdent à l'emploi, elles pourront mieux s'occuper des familles que les hommes. Elles sont les principales acteurs dans les familles. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de leurs parents même plus que les garçons quand elles vont réussir à l'école. Les filles sont plus studieuses que les garçons. Si je prends la classe de 4e, de la 1e à la 5e, ce ne sont que des garçons, des filles. Les filles, elles étudient mieux. Et si vous remarquez à midi ici, elles sont toujours en groupe, elles travaillent en groupe. Ok, les grandes filles transmettent leurs connaissances à leurs petites sœurs. Puisque nous voyons dans la cour des élèves de la 6e qui viennent auprès des filles de la 5e, 4e pour demander des explications en mathématiques ou en anglais.